Bienvenue sur ma chaîne, les intuitions de Jessica. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Ça y est, on se retrouve pour une nouvelle série de vidéos. On va aller regarder vos énergies pour cette semaine. Donc, du 11 novembre au 17 novembre inclus. Comme d'habitude, vous savez, et je ne cesserai de le répéter, que ça reste une interprétation générale. Donc vraiment, vraiment, prenez du recul et ayez du discernement. Et surtout, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire, tout simplement regardez dans quel signe se trouve votre Vénus. Ok? Bon, allez, on est parti, nouvelle semaine. Ça y est, dans un mois, même pas, nous sommes pratiquement à Noël. L'année passe à une allure incroyable. On commence par la numérologie. Alors, comme vous avez pu le voir, nous serons donc dans une semaine 11-11-2. Ce qui indique en tout cas, on va dire au niveau des énergies principales, beaucoup d'émotivité, beaucoup de sensibilité durant cette semaine. Donc, ne vous étonnez pas si par moment vous vous sentez un petit peu nostalgique, peut-être par rapport à votre passé, peut-être par rapport à une situation, que vous ayez un petit peu cette sensation, une forme d'angoisse, crise de panique, mais pas forcément quelque chose qui va vous handicaper, qu'on soit bien d'accord, mais ne attendez-vous à ce que voilà, vous soyez pas dans un mood, on va dire, des plus ambitieux, ambitieuses, des plus, on va dire, envie d'aller voir loin, vous voyez ce que je veux dire? Parce que je pense que ça va être une semaine un petit peu au ralenti, entre guillemets, ça c'est bien ce que je ressens, et qu'on va vous demander un petit peu, pourquoi pas, d'aller faire une introspection, ou du moins d'essayer de vous connecter à votre, on va dire, votre âme, tout simplement, parce que le chiffre 11-2, c'est quand même un chiffre où on a beaucoup d'intuition, où il y a des ressentis, où il y a également beaucoup de... on va dire de rêves, on a envie que peut-être de vivre dans un monde meilleur. Vous voyez ce que je veux dire un petit peu par là. Donc attendez-vous effectivement à ce que cette semaine il y ait cette forme un petit peu de mélancolie, cette forme où éventuellement n'oubliez pas de vous écouter et d'écouter votre corps et pourquoi pas d'écouter des ressentis ou des intuitions ou des flashs que vous pourriez éventuellement avoir cette semaine, parce que je pense que ça vous allez être un petit peu plus ouvert, ouverte que d'habitude à cette sensibilité au niveau des énergies. Ok? Bon, je vais m'arrêter là et puis du coup, bah, on est parti signe par signe. À tout de suite. Cher et tendre Scorpion, ça y est, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va aller regarder vos énergies pour cette semaine du 11 au 17 novembre 2024. Allez, on est parti. Je me concentre comme d'habitude, Madame Indira. On va aller faire une coupe. Après, on ira regarder avec 9 cartes et on finira avec le jeu, le 32, pour voir quel message il veut vous faire passer. Allez, je me concentre du 11 au 17 novembre. On a le 9 de chouette ou de hibou. Ok. Oh. On a le côté cavalier de carreau et le cavalier de trèfle. Alors là, pour vous, les scorpions, est-ce qu'il est notion professionnellement d'avoir des nouvelles de l'étranger? Ou est-ce que pour certaines personnes, vous allez faire un voyage un petit peu de longue distance cette semaine? C'est comme si, pour moi, il y avait même avoir une promotion ou qu'il y avait l'aspect financier qui allait rentrer en jeu dans le cadre professionnel pour vous, les scorpions. On a le 5 de cœur, on a la panthère et on a l'association. Alors, est-ce qu'il n'y avait pas une notion pour certaines personnes de négocier des contrats qui se trouvent à l'étranger? Bon, il y a la joie, hein. Et on voit que vous allez être rusé, très malin, maligne, pour pouvoir justement avoir ces accords, ces signatures de contrat. Regardez, on a le voyage, il y a la longue distance. Hein. Il y a la longue distance cette semaine pour vous, les scorpions. Hein. Bon, est-ce que vous vous déplacez là? Est-ce que peut-être que vous êtes représentant, commerçant, là, et que vous allez vous déplacer cette semaine pour obtenir des signatures, pour obtenir des contrats éventuellement? Allez, on va aller prendre 9 cartes. On va aller voir ça en détail. 3, 6, 7, 8 et 9. Allez, je les mets bien. Et puis, on est parti. Allez, hop. Tac. Voilà. Hop, on a le cavalier trèfle, la dame de cœur, et on a la stérilité sur le 10 de pique, et on a des nouvelles. Ok. Bon, alors là, on voit qu'il y a quelque chose qui se termine.
Bon, on va direct. Est-ce que vous avez peut-être des nouvelles cette semaine en lien avec une relation sentimentale et ça y est, c'est la fin de cette relation. Ok, peut-être que justement cette relation était stérile, vous n'aviez plus de nouvelles de celle-ci et que vous avez des nouvelles vous stipulant que ça y est, la relation sentimentale prend fin. D'accord? Pour d'autres personnes, il va y avoir une notion également. Est-ce que là, comme je vous l'ai dit, il y a des nouvelles par rapport peut-être à une fin? Alors, est-ce que il y a un contrat qui se termine? Par rapport justement à un arrêt maladie, ou tout simplement il y a quelque chose qui est en train de bouger, peut-être, dans le cadre personnel, d'accord? Est-ce que vous n'avez pas des nouvelles d'une personne de votre famille qui vous annonce qu'elle a un petit souci de santé également, hein? Allez, on va aller voir. Mais regardez, bon, sentimentalement, moi je pense que pour moi il y a une séparation là. Il y a une rupture, en tout cas il y a quelque chose qui se termine, peut-être sur le plan pro, ou tout simplement sur le plan personnel, hein? Hop, regardez, on a la roue de poisson qui annonce effectivement les changements importants mais bénéfiques, hein. Ok, bah oui, on a la mort. Bon, bah écoutez, hein, mes scorpions, j'ai envie de vous dire, il y a quelque chose qui bouge. Il y a une fin, il y a une fin de quelque chose. Donc sentimentalement ou tout simplement peut-être professionnellement, vous êtes en train de terminer quelque chose là, ou vous êtes sur le point peut-être de partir de là où vous êtes. Regardez, on a le cavalier de pique également, hein. Il y a des nouvelles contraignantes, hein. Des nouvelles un petit peu contraignantes. Oh, il va de la discorde. Oh, préparez-vous parce que si c'est en lien avec une séparation, la séparation ne va pas se passer en toute délicatesse. Ça va être un peu compliqué. Hein. Il va y avoir beaucoup de brouhaha. Hein. Préparez-vous. Ouais, sur de l'argent. C'est pas étonnant. C'est sur de l'argent. Donc, effectivement, armez-vous. Préparez-vous. Parce que là, il va y avoir comme une forme un petit peu de changement, hein. De changement, de changement de cap éventuellement, même pour certaines personnes. Peut-être que là, voilà, vous allez prendre enfin la décision de couper court à cette relation parce que c'est plus vivable, pourquoi pas, hein. Et pour d'autres, professionnellement, c'est comme si là, il y avait quelque chose qui se terminait, ouais, c'est clair. Bon, est-ce qu'on pourrait très bien vous annoncer que la boîte ferme, hein, pourquoi pas, hein, dans laquelle vous travaillez, ou tout simplement qu'il y a des licenciements parce que financièrement, ça ne tient plus la route. Hein. Ça aussi, c'est pas non plus exclure, parce qu'on voit bien qu'il y a des nouvelles dans le cadre pro. Hein. Ok. Et qu'est-ce qu'on a? On a le roi de cœur. Ouais, bon. C'est voilà, c'est la fin. La fin, il va y avoir quand même des discussions un petit peu complexes, donc préparez-vous, hein, mes chers et tendres scorpions, à éventuellement à devoir vous battre pour récupérer éventuellement votre dû ou tout simplement votre poste ou ne pas partir avec trop de déficits. Attention, restez vigilant ou vigilante quand même, ne vous laissez pas avoir, ok? Je vais recouvrir quand même juste la mort pour voir. Ouais, regardez, c'est de l'argent. Ouais, sur du sentimental. Et sur le cavalier de... Regardez, c'est de l'argent encore. Ouais, et on a la sorcière. Ouais, attendez-vous, ça va être... Attendez-vous à avoir un petit peu des complications cette semaine où, voilà, il va falloir vraiment s'armer de patience et surtout ne pas se laisser abattre par la petite difficulté qui pourrait se présenter à vous. Parce que vous avez quand même la roue de poisson qui vous annonce que ce tournant est bénéfique et nécessaire pour votre bien-être par la suite. D'accord? Bon, on va aller voir avec le jeu 32. Mais attendez-vous, oui, peut-être à avoir une relation sentimentale qui se termine. Attendez-vous peut-être professionnellement à changer de poste ou tout simplement à dire stop parce que vous n'en pouvez plus, parce qu'il vous demande beaucoup plus pour le peu que vous soyez payé également. Ça, c'est possible également. Hein. Allez, on est parti pour vous les scorpions. On va aller faire une coupe. On va aller voir déjà la coupe. Qu'est-ce qui se passe pour les scorpions, s'il vous plaît? Allez, du 11 au 17. On a des nouvelles pour un petit déplacement, pour un roi de cœur, et on voit quelque chose d'inattendu. Et regardez, on a ce valet de pique, et on a ce 9 de pique. Hein. Il y a quelque chose qui est bloqué au niveau sentimental. Hein. Peut-être que vous allez du coup avoir des nouvelles de cette personne pour régler votre situation sentimentale et mettre un frein, ou tout simplement un terme, définitivement, d'accord? Ouais. Attendez-vous également, hein, pour certaines personnes, peut-être au niveau professionnel, à devoir un petit peu vous battre par rapport à des concurrents, ou du moins des personnes qui sont dans un but, là, de possessivité, voire de supériorité par rapport à vous, ok? Et là, on a le 10 de pique, le roi de carreau, et le 10 de carreau.
Il y a un lien avec l'étranger par rapport à un changement. Hein. On voit qu'il y a le valet de cœur également et ce neuf de carreau. Alors, il y a du retard peut-être par rapport à un grand changement. Ça peut être justement du retard par rapport à votre enfant. Est-ce qu'il y a du changement qui est en train de s'opérer dans sa vie et que du coup, bah, ça prend plus de temps que prévu ou quoi, vous êtes contrarié parce que ça ne bouge pas comme vous le souhaiteriez éventuellement. Bon, on va aller voir ça en détail pour voir. Allez, pour les scorpions, s'il vous plaît. Hop. Allez, pour les scorpions, s'il vous plaît. Du 11 au 17 novembre. Allez, on est parti. On va aller en prendre 9. Hop. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Qu'est-ce que je fais? 3. 6. Hop, voilà, 9. Des fois, je sais pas qu'est-ce que je fais. Je compte. Qu'est-ce qu'on a? Le 10 de cœur. Il y a un projet, là. Bien, il y a quelque chose, là, qui va bouger, là, pour vous. Hein. Allez, je les mets bien. Et puis, on est parti. On va aller voir. Je sais pas dans ce travers, les cartes, là. Normalement, c'est bon. Hop, qu'est-ce qu'on a encore? On a du retard sur un projet par rapport à de l'argent en lien avec l'immobilier. Il y a des contrats qui arrivent à vous. Ok, donc c'est comme s'il y allait avoir un peu des mésententes. Hein, c'est ce que je vous disais tout à l'heure par rapport à de l'argent. Alors, soit c'est en lien avec un projet peut-être par rapport à une habitation, soit que vous avez vendu ou que vous êtes en attente d'une vente d'une maison ou d'un appartement par rapport éventuellement à une séparation. Et que là, cette semaine, il y a quelque chose qui s'officialise. Après du retard, après un temps vraiment complexe, on voit que les choses s'arrangent. Allez, on est parti, on va aller voir. Regardez, c'est bloqué. Qu'est-ce qui bloque là? Bon, il y a quelque chose d'inattendu qui va faire en tout cas que ça va se débloquer plus vite que vous ne le pensez par rapport à des papiers. Alors, c'était des papiers hein, qui bloquent justement la vente, qui bloquent peut-être ce changement. Ok, bon, on a l'as de trèfle. Vous allez réussir, pas de problème, d'accord? Mais c'est comme si vous deviez vraiment vous battre. Hein. On a ce valet de trèfle, ce valet de cœur, pardon. Ah, peut-être que vous attendez des nouvelles de votre enfant, d'une personne qui vous est chère, là, que pour l'instant, bah, vous attendez ces nouvelles parce que bah, rien ne vient, ou il ne sait pas quand est-ce qu'il pourra être disponible pour venir vous voir. Là, il est notion même d'une somme d'argent par rapport au travail. Hein. Comme on l'a dit tout à l'heure, est-ce que là, vous êtes, comme je vous l'ai dit, est-ce qu'il n'y a pas un changement qui est en train de s'opérer par rapport à un blocage? Parce qu'on voit que... Vu le travail que vous faites, vous n'êtes pas rémunéré à votre juste valeur et que vous allez justement entamer ce changement. On a la dame de pique et le roi de cœur. Le roi de cœur. Attendez-vous hein, pour certaines personnes, effectivement, à devoir gérer quelque chose sur le plan financier par rapport à un roi de cœur. Hein, d'accord? Donc, si vous êtes en séparation, éventuellement, oui, peut-être que cette semaine, il va y avoir une notion de gérer quelque chose sur le plan financier. D'accord? Cette dame de pique, alors ça peut être vous, si vous avez plus de 50 ans, si vous êtes veuve, si vous êtes divorcée, ou ça peut être votre maman. Ça peut être votre maman qui vous soutient, qui vous rend visite par rapport... voilà, qui vous rend visite tout simplement, ou qui vous soutient dans les démarches que vous êtes en train de faire, peut-être par rapport à votre séparation également. Ou tout simplement, vous avez des nouvelles de votre papa avec sa chair et tendre, hein, c'est peut-être votre belle-mère également, qui vous rend visite et qui rend visite à votre enfant également. Mais moi, c'est comme s'il y avait quelque chose qui était bloqué sur le plan administratif par rapport à cette somme d'argent. Alors, est-ce qu'il y a un souci peut-être par rapport à des aides administrative et qu'il y a une personne qui bloque éventuellement et qui vous empêche d'avoir cette somme. Allez, on va aller voir pour vous les scorpions. Là. On va mettre une carte sur le 9 de... Ah, il y a le valet trèfle. Ok. Valet trèfle... C'est une personne plus jeune là qui bloque quelque chose. Là. Alors, je pense pas qu'elle le fasse consciemment. Alors, peut-être que vous venez de... Ou que la personne avec qui vous étiez était plus jeune que vous et qu'elle n'a pas forcément toléré à cette séparation et qu'elle a essayé de mettre un petit peu des embûches hein, sur votre route. Ce ne serait pas non plus à exclure, mes chers et tendres scorpions.
D'accord? En tout cas, sachez que pour moi, administrativement, là, il y a des choses qui sont réglées cette semaine et qui vont vous permettre surtout d'opter pour ce changement, pour ce nouveau départ. OK? Et on vous dit bien hein, qu'il y a quelque chose d'inattendu qui arrive qui va vous permettre d'opérer ce changement. D'accord? Je vais m'arrêter là, en tout cas, pour vous, mes chers et tendres scorpions. Prenez surtout bien soin de vous. N'oubliez pas que je vous kiffe et je vous love. Et puis, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Bye bye!